Et là, du coup. Putain, c'est toujours pas pris sur le bon. Bon, bref, je vais vous montrer. Bonjour à tous. Normalement, vous entendez ma voix, elle est sur un truc non filtré, y a rien du tout. Je sais pas comment on désactive l'infinité dans OBS. Hop, je suppose que non, je vais un peu vous montrer que je suis sur un truc, y a pas de filtre. En fait, je voulais juste vous montrer une vidéo de comment installer le fameux Wavelink de A à Z. Parce que je crois que la dernière fois, j'ai expliqué des trucs, mais c'est peut-être pas garanti pour tout le monde que ce soit bien fait. J'éteins la lumière, je n'aime pas la lumière. Du coup, comme je vous ai montré, il n'y a pas de micro tout à l'heure. Normalement, là, vous l'avez, il n'y a pas de feinte. Ça a foiré dans mon réglage OBS, mais à la limite, ça, je m'en bats les couilles. Comment on setup un Elgato de A à Z? Donc, déjà, votre entrée de monitoring, c'est le son que vous voulez en sortie, les amis. Je vais mettre les headphones comme ça, les écouteurs. Les headphones qui sont Kamas, Elgato, c'est les headphones, enfin les écouteurs que vous branchez derrière votre mic. Hein, je sais pas, vous. S'il y a marqué Wave, je sais pas le 1. Du coup, voilà. Je vais aussi dire avant de continuer que les setups qu'on va faire ne sont en fait marchent pas sur Streamlabs et OBS, ils n'ont pas le même mixage de son. Du coup, voilà, là je fais un recording sur OBS. Je vous montrerai mes setups et tout après. Et pour l'instant, on n'en est pas là. Donc voilà, donc maintenant qu'on a sorti, on a réglé le son de sortie qu'on veut écouter, là on vous propose de en fait d'ajouter des canaux de piste en fait. Vu que le Elgato il est génial, il vous permet en fait de créer 7 pistes de son différentes et donc en fait de choisir ce que vous allez en faire. Pour l'instant, on va pas toucher là, on va aller dans le suivant, on verra plus tard. Là, il vous explique un peu, mais bon, si vous y connaissez rien dans Windows, vous n'allez pas comprendre. Configuration terminée, donc voilà. Donc déjà, moi, je vais regarder combien j'ai de gains en Anté. Je crois que je l'ai dit, je sais pas si je l'ai dit, mais le Elgato Wave 1 et le Elgato Wave 3, ils ont pas les mêmes setups, les gars. Voilà, je vais me mettre, je sais pas combien, 20. Non, je devrais me mettre à 16. Là, je sais pas, je vais peut-être être un peu faible parce que j'ai pas, y a pas de filtre là, vraiment. On est sur un micro qui est tout neuf. Hein. C'est comment l'installer de A à Z. Ça me fait chier, j'aurais dû aller voir sur internet comment on check pour retirer l'infinité de l'infinité. Parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est. Seulement le truc tout en bas. Dommage. Sinon, moi je réfléchirais peut-être comment je vais trouver ça. Bon, alors le truc le plus essentiel à faire quand vous avez un Elgato, c'est que vous, du coup, je la refais. Hein. Vous cliquez en haut à droite, à gauche de la roue crantée, là. Et je vais pouvoir retirer ça. Et donc, du coup, ce que vous devez faire absolument, c'est de mettre votre Elgato en entrée. Et vous voyez, tout à l'heure, je me suis planté parce qu'ils m'ont demandé sur quoi je voulais comme sortie. J'ai mis des écouteurs et faut pas faire ça, faut mettre système, les gars. Voilà, en gros, vous réglez ça comme ça, votre Elgato, et c'est comme ça qu'il doit fonctionner. Je suis désolé, avec l'écran blanc, ça tue ma gueule, mais on n'est pas là pour la vidéo, on est là pour du son. Donc, entrée, vous mettrez mic in. Je leur montre, mic in. Sortie, Wavelink System. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que vous allez voir qu'après chaque application, on va pouvoir les mettre dans chacune des pistes. Le problème, c'est que vous allez avoir des applications qui ne fonctionnent pas. Je sais pas pourquoi ma gueule est aussi blanche. Peut-être de ma faute. Hein. Par exemple, moi, je jouais à un jeu mobile avec BlueStacks. Et bah, BlueStacks, le son ne ressort pas. Hein. Vous pourrez choisir tout ce que vous voulez avec les icônes BlueStacks, les mettre dans tous les canaux que vous voudrez, vous n'aurez pas le son en fait. Donc en fait, le meilleur moyen, c'est qu'en fait, quand vous mettez sortie système en haut, vous renvoyez tous les sons de votre PC dans ce canal-là. Donc tout le canal système, il va avoir tous les sons de votre PC. Il n'y a pas de feinte. Même les sons que vous n'arriverez pas à choper, ils arriveront forcément dans le canal système. Donc ça, donc du coup, forcément, si on met un canal système, c'est que on va le rajouter dans notre mixeur. Et donc vraiment de base, c'est on va faire des tests après. Hein. C'est tous les sons de base. Donc de base, voilà, je vais lancer Valo, parce que Valo, normalement, il est censé fonctionner surtout. Va check en même temps avec vous, parce que j'ai reformaté mon PC ce matin, c'est vraiment pour faire une vidéo pour vous montrer de A à Z. Ça va peut-être être plus long et plus chiant, mais si à la fin de la vidéo, moi, mon setup fonctionne, bah, il n'y a pas de feinte. Alors, normalement, là... C'est ça qui va être chiant. Je peux baisser ça. Non, je peux pas réduire. Je suis désolé, hein, je viens de passer sur OBS et je voudrais. En fait, je voudrais. Ah, oh, si je peux. J'essaie de réduire l'écran de l'infinité. Voilà.
Donc, au fait, vous avez aucun son parce que moi, ce qu'on diffuse, nous, c'est la sortie de streaming, en fait. Et bah, comme je vous ai dit, j'ai réinstallé mon PC et du coup, hein, mon volume stream marche pas. C'est vraiment pour vous montrer de A à Z, ça va pas être simple. Faut que je mette tous les bons audios sur les bons audios. Je suis même pas sûr que ce soit viable. Non, non. Donne-le-moi. Vous voyez qu'en fait, ça dépend. En fait, il y a les trois premiers et les trois derniers, ils vous donnent pas les mêmes sons. Ah, donc c'est Al. J'ai dû me planter ici. Ah, voilà. Stream. Et du coup, ça part sur Mike. Ça va être un truc qui est compliqué. Bon, on s'en fout. J'espère que j'ai pas de filtre. Honnêtement, voilà, j'ai pas de filtre. Ce sera pareil pour vous. Vous allez juste bugger dans les noms. Moi, faut que je les laisse pour refaire mon setup. Je peux pas. Si je touche, je suis mort. Donc, dites-vous que le son mic là, en fait, c'est votre tour de tuer le gâteau. Le mixage de stream. En gros, si là, je le coupe. Voilà, du coup. Ok, donc j'ai deux micros. Ok. Donc voilà, hein, toujours, c'est pour ça que le gâteau, c'est de la merde. Oubliez jamais, et je l'ai oublié, c'est la première étape. C'est de vous mute. C'est vraiment pour ça que je voulais faire un. Je sais que ça va être encore plus chiant que l'autre vidéo, mais au moins, vous allez tout comprendre. En fait, sur le gâteau, l'objectif, c'est de couper son mic. De base. Voilà. Parce que si vous le coupez pas, en fait, il revient dans votre monitoring de streaming. Et comme on a de base, il n'y avait pas de plugin sur le micro, le but c'était vraiment d'avoir une piste à part. Donc, encore une fois, c'est vraiment un truc hybride. Vous pouvez en fait laisser votre micro sur le truc de base si vous arrivez à gérer, c'est nickel. Mais il faut penser que, hop, là, en fait, vous coupez ce que vous envoyez sur la diffusion et là, vous coupez ce que vous écoutez dans vos écouteurs. Et donc tout l'intérêt c'est que si moi de hop je veux. Et franchement ça bug de ouf. Hein. Si par exemple je veux écouter du son, je vais mettre la musique. Après je vais vous enlever ça va vous piquer les yeux. Je vais retourner dans mon mixeur Windows. Et moi perso pour comme par hasard, j'ai pas d'icône, alors je l'ai installé tout à l'heure, j'utilise VLC. Et bien sûr, il faut lancer les applications, sinon vous les voyez apps. Ils apparaissent là une fois qu'ils sont lancés. Hop, voilà, VLC. Et maintenant, je vais choisir le canal de sortie. Si je me trompe pas, sortie. Donc, hop, on sortit. On va mettre musique. Hop. Maintenant, si j'arrive à. Franchement, mon PC vient d'être formaté. J'ai aucune vidéo. J'ai même pas une vidéo. Du coup, on va faire ça. On va faire pareil, mais avec le navigateur Internet. Hop, ce sera plus simple pour moi. Mozilla, je vous le mets dans le navigateur internet. Hein, toujours vous regardez. En fait, ça, c'est des noms. Vous pouvez changer les noms que vous voulez. Hein. Le mieux, c'est juste de garder le système. Après, tout le reste, vous pouvez aller rename. Là, ma vidéo va être indigeste. Je vais être obligé d'en refaire encore. Donc, du coup, maintenant, si je vais sur internet, genre sur ma vidéo à moi, techniquement. Moi je le charge, sinon ça me nique tout. Au Voilà. pire, je le referai. Maintenant je sais faire. Vous avez le son Donc dans en gros, Browser. il fait télécharger ça. Ça, c'est un. Alors Genre, que de allez. base, vous l'auriez eu dans le système. C'est Et ce qui me un permet, moi, de ne équalisateur. pas l'écouter si j'en ai rien à Un foutre. équalisateur. Ou tout simplement de l'écouter, mais de pas vous le donner à vous. C'est ma vidéo. Alors, à mixer avec sa voix. Moi j'ai pas Donc le temps, voilà, je ce que je préfère voulais faire la dire vidéo vraiment, c'est que directe. ça, c'est la base Donc là, elle a du mis gâteau. 1. Vous pouvez écrire. Là, il a Vas-y, mis quand ça marche, 115. franchement, le gâteau, la tête d'homme. Là, il a mis 3. Vas-y, là, ta mère, tu sais pas que c'est un Et puis icône. après, faut faire Il va m'en ouf, il va m'en ouf, il va sur m'en chaque. ouf. Franchement, si je suis pas explicite sur les plugins, vous allez juste voir sa chaîne après. C'est bon? Voilà. Et pour les jeux, c'est idem. Hein. Du coup, là, en fait, depuis tout à l'heure, vous entendez le son de Valo dans le système. Donc, Valorant, si vous voulez le changer les pistes de son, hop, on le met dans le game.
On rajoute notre piste game. Et voilà, tout réapparaît. Et comme ça, vous pouvez mixer entre ça, c'est vos écouteurs. Et ça, c'est vraiment le. T'as rien qui fonctionne. Ça, c'est vraiment le volume de sortie de... que vous allez envoyer sur le stream. Bon, ça, c'est vraiment une grosse base que je voulais dire, parce que je l'avais pas dit la dernière fois. C'est comment un peu réussir à splitter tous ces sons. Ça me fait chier, j'aurais vraiment dû regarder ici comment on fait pour vous niquer l'infinité. Surtout que j'arrive même pas à. Vas-y, augmente, stop. Du coup, vous avez ça de base à savoir maintenant. Si vous voulez utiliser un micro Elgato, en fait, vous voyez que moi en haut là il y a marqué mic. Alors en l'occurrence, c'est faux, c'est mon Wavelink Stream. J'arriverai pas, mais tant que je configure tout ça, ça va lutter. Et de base, en fait, donc vous pouvez utiliser le Elgato comme je l'utilise depuis tout à l'heure, donc sans filtre. Honnêtement, j'ai pas de retour, je pense que le son doit pas être ouf. Et du coup maintenant que vous comprenez un peu le principe, hein, vous, du coup toujours, hein, moi je vous montre dans OBS mais Streamlabs c'est la même. Franchement c'est la même. C'est vraiment dans les pistes audio là qu'il faut jouer, il faut trouver les bonnes et à chaque fois que vous reformatez votre PC c'est plus au même endroit. Savoir que les deux derniers là ils vous permettent le microphone FX qui donc sera avec les fils quand on va en mettre, là il n'y en a pas. Mais c'est comme si j'avais mis le micro normal, hein, le mic in. Normalement là j'ai changé, pour vous c'est zéro diff. Mais nous on va utiliser le FX parce qu'on va vouloir mettre des plugins directement sur le micro. C'est simple, la vidéo je vais la délaisser. Alors, comme mon PC il est neuf, on va tout faire ensemble. Et on va voir ça un par un. Donc moi je me suis créé un petit dossier raccourci avec mes VST. Hop. Et tout ça, je l'ai pris de mon ancienne vidéo. Bon, après, je dois bien être franc avec vous qu'il y a des plugins que j'ai rajoutés qui sont pas dans cette vidéo. Il en manque un, pour être précis. Donc du coup, je remettrai un petit peu tous les liens. Et c'est un peu le but de la première vidéo, c'était vraiment d'avoir un support sur lequel travailler. Et aussi d'avoir des gens du coup qui sont venus m'aider et qu'on parle avec moi. C'est pour ça que là aujourd'hui je peux vous dire que le micro, le Wavelink Elgato Wavelink 1 et le 3, c'est pas du tout pareil. La qualité micro est absolument pas pareil. Donc du coup ce qu'on va faire là, c'est qu'on va se lancer dans le dur, hein. On va envoyer des plugins VST, hein. Alors comment on va faire? On va prendre le premier. Je vais j'ai trois écrans donc je m'y retrouve. Vous, ça va être plus complexe. Hop. En fait, j'ai fait ce dossier là. Je vais essayer de le mettre en compressé si vous voulez. Il y a marqué dans l'ordre tout ce que vous devez installer. J'ai tout fait tout à l'heure avec tous les pré-réglages. Il y a vraiment tout. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre mon propre tuto. Et on va voir à la fin, les gars, si vous ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Si vous voulez voir direct, vous allez à la fin de la vidéo, vous verrez. Si j'appelle la vidéo. Donc la première chose qu'on va installer, c'est le suppression de bruit, c'est le RR Noise. Donc si vous les avez téléchargés, ils doivent tous être en zip comme moi. Donc on va faire quoi, s'il te plaît, ouvre commence. On l'extrait sur le bureau, je vous préviens, moi, pour moi ça va être la strat la plus simple. Je pourrais vous dire comment tout installer au bon endroit, mais on est là pour faire une vidéo simple. On regarde ce qu'il y a dedans. Franchement, le seul qui nous intéresse, c'est le VST. Donc du coup, on va l'installer. Hop, comment on va faire? Faut que j'ouvre une nouvelle page. On va sur l'explorateur, les gens. Et c'est là où moi, je suis pas sûr du coup. Donc j'ai regardé ma vidéo avec l'ami Abdel qui m'a aidé. C'est lui qui a le Elgato Wavelink 1. Vraiment qui m'a aidé. C'est le point Program Files. Donc on va y aller. C'est le point. C'est le programme. Command Files. Je crois que c'est ici qu'on s'arrête. Un dossier VST, non? Hop, voilà, on est bien d'accord. C'est le point Program Files. Command Files, on fait nouveau dossier. VST2. Je sais pas écrire, évidemment.
fait encore la mage. Et donc là, on va copier le... du coup le dossier que j'ai extrait. Il y a plein de pages, ça va être ça. J'étais dans le dossier que j'ai extrait sur mon bureau. Hein. On prend le DLL, on le copie et on le colle dans le dossier VSD2. On va tout faire un par un. Hein. Je suis désolé, j'aime bien la musique de vol. Alors du coup, après on retourne sur son Wavelink. Pour vérifier si ça a fonctionné, on va sur la roue crantée. Effet audio. Donc déjà, on voit que le VST3, il est mis de base. Hein. Ça, c'est faut pas toucher. Arrête, il y a une strat de créer qu'un dossier pour tout. J'ai toujours pas testé, je vais pas le faire là. Donc on va sélectionner notre dossier VST2. Donc on va retourner sur ces deux points. Programme, Command Files, VST2, et on va sélectionner le dossier. Et du coup, là, on va faire analyser. Voilà, notre suppresseur de bruit, il a bien été trouvé, donc il n'y a pas de souci. Là, on peut faire afficher tous les plugins pour voir. Maintenant, on va appliquer ce plugin. On clique sur, je sais pas, le truc, on dirait un électrogramme. Un électrocardiogramme, je sais pas comment on dit. Et on va l'ajouter, là, ça va, la liste est courte, il y en a 15, c'est Nice Suppression, on le met. Si vous connaissez pas, c'est celui qu'il y a dans OBS et dans Streamlabs. Il est de base, il n'y a pas de configuration, c'est juste, je crois, il pompe un peu sur le processeur. Comparé à d'autres. Personnellement, c'est le meilleur. Je le laisse. On continue comme ça. Je regarde toujours, ça me paraît, ça trigger, moi je suis censé être à 16. Moi je l'ai mis à 16. Ok, donc après, donc ça maintenant, suppression de bruit, en fait, c'est, je vais vous dire, et donc c'est pour ça que ça fonctionne pas avec le Elgato 1, enfin c'est à vous de voir, on verra sur le plugin d'après, c'est que ça va vous couper tous les bruits ambiants de votre pièce. Je vais vous couper Valo, et vous allez voir que vous n'entendrez pas de son. Et c'est un qui est assez puissant, parce qu'on peut même tester, je vais essayer de faire des clics de souris. Vous les entendez pas, ou je vais pas mon clavier, mais vous n'allez pas entendre. Donc, vraiment, pourquoi je l'ai peut-être entendu, je sais pas. Je vais pas regarder au bon endroit. Voilà. Donc le truc, en fait, il est assez puissant, et en fait, derrière, on va installer quoi? On va installer un NASGate. Donc, en fait, le NASGate, c'est pour laisser passer les bruits et couper les autres. Et là, sur mon ancienne vidéo, je vais pas vous mentir que je m'étais totalement chié dessus parce que le suppresseur de bruit, en fait, est ultra puissant et va couper beaucoup de choses. Je vous montre un petit peu mon setup de comment j'avais fini. Et donc ça, vraiment, ça va être un petit peu à vous de faire une muse avec. On va regarder ensemble comment ça fonctionne. Donc c'est le Renegade. Toujours pareil, on cherche. Hein. Je vous montre moi les fichiers que j'ai utilisés. Donc... fichier, non. Je l'ai pas extrait forcément. Windows. Allez, let's go. Et là, on va avoir un fichier qu'il faut installer. En plus, je crois qu'il est relou celui-là. Donc, on accepte les plugins AX. Ça fonctionne pas. Donc, c'est pas pour nous. C'est pour After Effects et compagnie, je crois. Ou les trucs studio, mais plus compliqué. Donc, nous, on prend que ça. On fait Next. Là, ils vont vous demander un chemin. Franchement, si vous voulez le retenir de mémoire, vous le retenez. Et c'est marqué que c'est bien que pour les VST2. Les VST3 iront toujours dans le bon endroit. Donc moi, ce que je fais, c'est toujours que je le mets sur mon bureau, en fait. Voilà, hop, nouveau. Peu importe, Renegade. VST2. Voilà, hop, je vais extraire dedans. Next. C'est de la merde, on n'a pas besoin des 64 bits. Mais bon. On le met au même endroit. On installe. C'est pas le bon dossier. Voilà. Merci. Tac, tac, tac. Nous, on a besoin que du 64. Je vais même pas copier l'autre. Donc, on copie et on revient toujours au même endroit. Hein. Donc, c'est ce que j'ai encore. Allez, j'ai un milliard de trucs. Voilà, on reviendra dans ces deux points, programme, command file et le dossier VST2 que vous avez créé. On le colle. Hop. Et si on revient en arrière, on verrait qu'il y aura un petit VST3 qui s'est fait automatiquement.
assez automatique les VST3, donc on se prend pas la tête. On retourne sur notre wavelink, la roue en haut, crantée, effet audio, analyser le dossier de plugin. Bim, mon Renegade, il est trouvé, c'est ok. On y va, on l'ajoute. Alors franchement, entre dynamique et effect, les gars, je sais pas ce qu'on a dit. Et là, du coup, on va régler du coup, le NASGate. Donc, comme je vous expliquais, le NASGate, c'est pour couper les bruits. Mais là, ça ne va pas être très explicite parce que moi, mon suppression de bruit que j'ai déjà d'activé est ultra fort. Enfin, ultra puissant, en fait. Donc, je vais juste le couper juste pour vous montrer le principe du truc. Hop. Là, ça. Déjà, moi, je le mets toujours comme ça. Ça, c'est. Comment je vais expliquer? En fait, si vous regardez la barre au milieu, là, tout ce qui est bleu, c'est ce qui passe au-dessus de la limite de son que j'ai mis, en fait, qui est la petite barre avec laquelle je joue. Et d'habitude, l'intérêt du NASGate, c'est de couper vos claviers et vos souris, en fait. Donc, je vais me taire et je vais frapper mon clavier comme un porc. Là, je suis sûr quasiment que vous l'avez tous entendu. Donc, en fait, de base, le but du NASGate, c'est de couper ça. Donc de jouer en fait avec quand vous frappiez ça aide dans le treble, sauf que si vous mettez un truc trop haut les gars, il va falloir gueuler sur votre micro la nuit et moi c'est pas mon délire. Donc de base dans la vidéo j'avais dit de le mettre à 30, mais en fait j'avais pas tout géré avec le suppression de bruit. Donc moi maintenant ce que je vais faire c'est que je vais réactiver donc mon suppresseur de bruit. Voilà, et vous allez voir qu'en fait j'en ai plus rien à foutre de mon clavier. J'espère que ça coupe pas l'enregistrement à chaque fois que je pâme. Vous voyez que la barre, elle monte jamais, la barre en rouge. Et j'ai un clavier ultra bruyant. Donc, moi, ce que je fais, du coup, c'est qu'en fait, du coup, je le mets vers 40 maintenant. Ça, vous avez votre temps d'attaque. Votre temps d'attaque, c'est le temps qu'il faut parler pour que la touche soit active. De base, il faut le mettre entre 25 et 30. Si j'y arrive, entre 25 et 30. C'est même pas écrit. Ah si, je suis à 30 là. Le temps là, ici, je vais le rajouter, je vais mettre à 100 à peu près. Et mes 0. Ah, quand c'est tout, non. Vas-y, augmente. Vas-y, pourquoi tu dézoomes pas? Merci. Voilà, moi, je voudrais 100 à peu près. Ça, c'est le temps avant que le micro se recoupe. Et du coup, pour le temps d'attaque, je voulais juste vous faire l'exemple de ça, parce que mon pote qui a le Wave Link 1, tout ça fonctionne pas. En fait, il doit jouer avec les temps d'accroche. Genre, en gros, moi, là, si je parle pas fort, ça marchera tout le temps. Et si je n'ose pas mon clavier, vous ne l'entendrez pas. Par contre, on va faire le test avec mon briquet. Et en fait, là, mon briquet, vous ne l'entendez pas parce que du coup, c'est grâce à lui, j'ai mis un temps d'accroche de 30. Si je vous mets un temps d'accroche de 25, allez, à 23, normalement, vous allez entendre mon briquet. En gros, c'est pour ça que le temps. En fait, c'est à vous de jouer un petit peu avec votre temps d'attaque sur votre matos et ce que vous voulez en faire. Voilà, moi 30, c'est très bien, ça nique mon briquet. Même pas, il faudrait que je le mette encore un peu plus. Bref, c'est une façon de vous montrer que. Voilà. Moi, de base, c'est toujours entre 25 et 30 le temps d'attaque. Les relays, on la met en total off. Enfin, je crois que je suis à 10. Et en gros, ça, moi, je mets 100. À peu près. Donc du coup c'est bon ça le j'ai oublié le nom, le gate, pas le, si c'est le NASGate, ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Alors le gate il est fait. Donc on continue, hein. Je regarde toujours qu'est-ce que je dois faire hein, dans mes feuilles. Tac. Attends, à chaque fois je vous fais 1 milliard de pages et c'est jamais celle que je veux. Merci. Donc, on a fait le 1, on a fait le 2, on arrive 3, on arrive au 10. Le 10, c'est pour les S et les S, je crois. Ne me demandez pas, hein, tout ça, c'est des réglages que j'ai volés en anglais. Hein. C'était le lien dans ma première vidéo. Donc, on continue. 10, on l'extrait. On regarde, c'est quoi? C'est un fichier d'install. Ok.
Bon, ça, du coup, c'est que les mecs, c'est pas. Je crois qu'ils ont juste pas payé la licence Windows, mais on s'en bat les couilles. Formation complémentaire exécutée quand même. Je sais, il y a 10 000 pages, j'ai l'habitude, hein, je travaille dans l'info, les gars. Hop. On accepte. Je vous conseille toujours de changer le dossier, hein, clairement, et d'aller sur votre bureau. Bon, alors je sais que pour les néophytes, ça peut être simple, c'est utilisateur, votre nom d'utilisateur, bureau. Et là, vous pouvez faire un moment. Il y a un endroit où on peut créer un dossier, bon, on peut pas, on va créer un dossier sur le bureau. Nouveau dossier. Lisseur. Du coup, ça ne marchera pas. Faire annuler, on recommence. Utilisateur, votre nom. Bureau. 10. Allez, next. Preset, franchement, je vais les laisser. Veste 3, on les laisse, mais normalement, ils sont censés s'installer au bon endroit. Les AX, on n'en a pas besoin. Next. Non, 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 non. Merci. Veste 2, Legacy. Pourquoi? Voilà. Je la refais en entier. Du coup, j'ai tout sélectionné, mais il va me demander pour chaque putain de truc où il veut que je l'installe. Donc, c'est chiant, c'est long. Bureau, 10 h. Voilà, et ça, on le laisse, les VST3, ils vont au bon endroit. Finish. On ouvre donc notre plan 10 h. On n'a pas besoin du point 32 bits. Hein. Franchement, je l'installe parce que je suis un mongol, mais on n'en a pas besoin. Vous prenez que le 64. Hein. On n'est plus dans le passé. Hein. C'est fini. Hop, c'est toujours pareil, toujours même endroit, toujours. Je vais voir cette vidéo, elle sera complète et on pourra pas venir me dire ouais, mais t'as un truc, t'as pas dit. Donc, ouais. Donc déjà, vous voyez, j'ai cliqué et j'ai pas été vérifié qu'il fonctionnait. Donc en fait, je l'ai pas. Non, 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 maintenant je l'ai. Hop. Merci le petit diviseur. Bon, moi j'avoue que je connais mes photos. Hein. Du coup, je sais que moi là c'est moins 32. Franchement, j'ai essayé de tester à la main pour les réglages et tout, et je pense que les réglages de l'anglais ils sont très bien. Moins 32 dB, ici vous faites attention d'être à 0, et là vous changez, vous mettez 7. 7.0, parce qu'apparemment il va pas vouloir. Vas-y, non. Vas-y, laisse-moi juste écrire 7. 0. Merci. 7.0. Merci. Et ça, c'est juste ça. Non, c'est activé de base. Voilà. Après, on verra. Si vous voulez, j'activerai tous les trucs un par un pour qu'on voit. Sachez aussi qu'il y a un ordre vraiment précis pour les plugins, sinon ça ne marchera pas. C'est le plugin le plus haut prend, hein, il fait en priorité sur et ainsi de suite. En fait, c'est celui d'en haut, puis après celui d'après, puis celui d'après, et ainsi de suite. Donc maintenant qu'on a fait le dissert, je vais avoir encore un bureau qui va être fucked up. Non. Le 4, TDR Nova. Alors ça va être un gros morceau, c'est l'equalizer. Nova, merci. Mais franchement, si je suis pas teubé, j'installe pas les 32 bits. Hein. Ah ouais, toujours pareil. Hein. Il vous demande un dossier. Pour moi, c'est le plus intuitif. Après, si vous voulez toujours foutre tout dans VST2, vous pouvez. Hein, mais si ça marche pas. Hop, 32 bits, je vous montre, je les saute. Et les AX aussi.
Vous êtes droit, vous touchez pas. Franchement, c'est des trucs pour les désinstaller, mais les gars, ça prend rien sur vos PC. Une fois qu'on l'a copié, on retourne toujours. En fait, tout ce qui est DLL, c'est VST2, et après, sinon, c'est marqué .VST3, c'est pas très dur. Voilà, vérifier le plugin. C'est bon. Puis on va ajouter... Vous m'entendez bien sur le live, hein, c'est ce que j'ai bien fait. Attends, putain, je fais tulut, je vous ai coupé le son, je suis un bâtard. On va rajouter nos voix. Je sais pas, un mastering. De toute façon, pour moi, c'est les mêmes à chaque fois. Bon, alors là, clairement, les gars, on va juste recopier mes dessins. Normalement, j'ai fait toutes les pages. Faites pas carotte, hein. Vous cliquez sur 1, vous regardez bien que la page d'origine, elle est à 0 dB. Là, c'est bon, on est à 0 dB. J'aime plus au cliquer. Hop, on prend la page 1, on clique sur le 1. Ah oui, sur la page 0 en fait, mais vous pouvez le faire après, c'est que là, la output, faut la mettre dans... Comment l'enfer? Ah, en out, oui, c'est ça. J'ai la page, pas photo. Voilà, ça. Faut bien la mettre en out, sinon vous n'avez pas votre retour. Du coup, on va sur le 1, le premier, on va mettre les mêmes chiffres. 1. 115 3 ouais, c'est ok. 1 2. Ah, ça c'est des équaliseurs les gars, je prends un G-son. Moi je mets ce qu'on m'a donné. Alors pour faire le moins ça va être... On va vers le moins. Moins 0,5, 1, ça c'est ok, on sur le 3, 0,5, 1000, on est mis moins. J'ai vérifié les chiffres tout à l'heure sur sa vidéo, donc j'espère que c'est bon. Moins 5, 0, 0, et puis normalement vous devez voir la diff à chaque 3, 2, attendez, je sais pas d'où les a sortis ces chiffres. 4-5. Tac, et voilà, c'est tout bon. Ça n'aura pas pris 1000 ans en fait, hein, si on suit la notice. Tac. Du coup, Nova c'est fait, j'ai ça compresseur aussi, j'ai ces petits trucs que j'avais rajoutés, mais de base, il n'y avait pas dans la vidéo d'origine. Ah ouais, ça va chacun de faire son petit, sa petite popote, hein, je vous préviens. Il s'appelle comment ? You. Je vais même pas le renommer lui. .64 bits VST, on prend VST 100, on prend et le reste, on va pas les AX. Y'a pas de nouveau dossier? Je suis aveugle. C'est toujours pareil. Et les mêmes que j'avais fait avant, honnêtement les gars, si vous les réglez, vous réglez. J'ai des trucs, je pourrais vous dire c'est quoi, mais je suis pas assez bon. Non, mets-moi 18, s'il te plaît.
10 pour 1, j'avais vraiment 10 pour 1. Ça c'était mes setups OBS. Mais... Ne demandez pas les chiffres. Vous verrez juste si ça vous plaît à la fin de la vidéo. Vas-y, vas-y, ta mère. Je vais vraiment me casser les couilles. Je dirais que je dois jouer à Valo et faire un headshot. Vas-y, mais 60 là. Et bien, je monte, ça fait des trucs. Je descends, ça fait autre chose. Ah, je l'avais. Vas-y, je vais pas passer toute la vidéo, frère. Oh, vas-y, si je vais tout casser. Je vais la mettre en slow motion, ça va être rapide. Des fois je monte, ça monte, des fois je descends, ça descend. Merci. Bonne chance à vous pour le faire. Voilà, le reste c'est bon. Hop, full bang glitch, tac tac tac. Allez, hop, ça dégage. On continue. Après, petite excité, vas-y, il est trop. Je vais pas l'avoir. Je l'ai pas. Comment ça? Bon, on va aller la DL en direct. Pas celle-là, je crois pas. Il va me manquer d'autres. La frontière, je l'ai. Bah, franchement, les gars, c'est le moment de tester si elle était bien ma. Mon plugin. Ouais, ils vont me dire le Domco, je crois. C'est pas le truc. Je mettais lag, hein, c'est gratos. On va le redéable, hein. Désolé, j'avoue que j'ai merdé sur ça, j'ai pas. Je sais pas c'est quoi mon mail. Ok, c'est bien ça. Pour vous montrer, hein, je me suis juste log. Hein. Du coup, on extrait hein, comme tout. De bits, hein. On s'en bat. Ça pour copier un vieux DLL. Je vais en chier pour refaire mon setup. Je sais pas pourquoi je le sens bien. Ok, il faut mettre comme c'est marqué. J'ai regardé comment j'étais. Et franchement, les trucs ça marche pas, hein, les roulettes sur la grosse merde. Ah putain, je l'avais. Allez là. Putain, mais je lâche le clic, ça baisse tout. Vas-y, fais-le. Fais-le, je vais casser un truc. Ah,
Je remettrai la vidéo de l'anglais, hein, parce que heureusement. Je sais pas ce qu'il faut que je l'active. Il faut que je l'active en haut à droite, hein, vous avez vu. Parce que je vois que sur ma photo il est activé, donc. Ok, bah ça c'est fait aussi. Franchement, ça là, je sais plus, c'est pour avoir une voix plus dynamique, je crois. Et normalement, il doit nous en rester un ou deux, mais on arrive vers la fin. Voilà, il nous reste que le limiteur. Putain. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais. Il est où? Ça, on n'en veut pas. Le petit bâtard, il m'a pas demandé où il voulait les installer. Oh, j'ai ça. Franchement, j'ai la flemme d'aller les chercher. On va le faire proprement pour vous. Oh. Moi, je sais que je le retrouverai, donc je m'en bats. Bah voilà, remove. Hop. Merci. Ouais, comme quoi, hein, franchement, même en connaissant, j'ai la flemme d'aller chercher où vous installer. Bien, c'est là, voilà. Je suis con, hein. C'est marqué là en bas devant mes yeux. Ah non. On destape. Mais pas mis long, là. Merci. Je vais pas vous montrer le truc avec la voix chelou. M'intéresse pas. Dans l'immédiat, maintenant que vous savez comment vous débrouiller. Je sais pas pourquoi il est là, ce bâtard d'essai. Putain, j'aime le débat. Hop. On cherche, c'est ok. Arrête. C'est dans lequel. Bim. On va faire activation. Vous voyez mon mot de passe si je l'écris? Vous allez voir mon mail. Okay. Reload. Quitter, relancer. C'est, oui, c'est la petite roue crantée, hein, pour configurer. Reload to finish. Je viens de reload. Ou... Reload quoi? Reload full. Ça va tout casser, hein, si je quitte le webling, je vous préviens. De toute façon, faut savoir, il est où? Bon bah, fallait vraiment faire ça. Bon, ici c'est moins 3,5, hein, c'est noté en bas. Ça, c'est les setups que j'avais, moi, sur StreamYard. Le 8, je crois qu'il est inutile. On peut pas faire. J'ai écrit moins 8 pour le fun, mais j'ai jamais réussi à faire moins 8. Hop, et là, faut réussir le gameplay le plus dur. Hein. Et là, faut réussir à le mettre en face. Ah, j'ai le game.
Vas-y, s'il te plaît. Ah oui. Voilà, et normalement, là, le gâteau, il est censé être réglé. Tac. Après avoir ouvert un mur de page, volume PC. Je regarde. Installer. Voilà. Du coup, bah voilà. Vous avez installé un microphone Elgato Wavelink avec avec normalement tous mes filtres. Et vous voyez que je gueule ma race, que tout est mal réglé dans mon OBS. Genre, attendez, je vais vous le régler. Il est à combien, moins 4 dB? Je le mets à moins 4 dB dans mon OBS. Voilà. Moins 4,3. Ok. Donc normalement, voilà. Je vais vous montrer, vous allez voir l'infinité de l'infinité. Hein. Moi, le... Là, c'est le Wavelink SFX pour moi, le micro, normalement. Mais là, c'est faut que je refasse tout. Et de base, je sais pas pourquoi, hein, je suis à 16 dB sur... setup complet, je vous montre. DB en gain, et mais je suis obligé de mettre moins 4 ici, et je sais pas, sinon je même en mettant moins de DB sur le micro, je sais pas, je trouve ça déconne. Donc voilà, moi sur OBS je suis comme ça, mais après ça va dépendre de chacun. Du coup voilà, maintenant que vous avez mis des filtres sur votre micro, là faut savoir que si vous mettez le micro normal, ça marche pas. On va lancer Discord parce que comme je vous dis, je vais remettre mon PC, j'ai un setup. Si vous voulez avoir le micro normal, dans voix, vidéo, et là, périphérique d'entrée, vous mettrez soit mic in, et donc ce sera votre micro sans les filtres, tout ce qu'on vient de se faire chier à faire, et c'est dommage, soit vous mettrez le microphone FX. Et voilà, maintenant vous avez un micro qui est filtré sur toutes vos applications, vous n'avez plus besoin de filtrer n'importe sur n'importe rien en fait. Et donc là c'est pareil en fait, des fois faut, comme je vous dis, sur le Elgato faut jouer sur les paramètres Windows. Autant bah, Discord, moi j'ai jamais cliqué ici en fait, hein. Discord je le mets ici, périphérique de sortie. Je le mets sur Voice Chat, ça je le mets dans l'application par exemple. Et vu que Valorant c'est bien, c'est pour ça que j'avais pris Valo. Valo c'est un peu pareil, je vous ai montré que j'ai mis le jeu via le mixeur pour que le son du jeu soit dans le jeu, donc je l'ai mis là pour l'avoir dans le jeu. Mais par contre si vous voulez avoir le son filtré dans votre jeu, c'est ça que je vous demande, hein, ça doit être pareil dans tous les call of, périphérique d'entrée dans le jeu, vous mettez le microphone FX si vous voulez le micro avec les filtres, et le microphone normal si vous voulez sans filtre. Encore une fois, moi je mets les filtres. Et là vous pouvez display, moi personnellement pour les mecs cancer du chat Valo, tu vois, je le mets sur Link SFX. On s'en fout, je pourrais le renommer, hein, je pourrais juste l'appeler chat Valo, on s'en fout du nom. Mais voilà, moi ça me permet de mute les mecs et de leur foutre des filtres. Même si aujourd'hui avec les plugins VST, il n'y en a plus besoin, mais c'est une vieille habitude que j'ai. Et donc voilà. Donc, faut savoir gérer entre les paramètres Windows et vraiment les paramètres de vos jeux, les gars, sinon ça marchera pas. Y a pas de solution miracle, hein. Franchement les Wavelink, je crois que c'est un des micros déjà les plus relous à utiliser et les mieux en même temps, mais faut vraiment vouloir, voilà. Moi du coup je rajoute mon voice chat et mon SFX, voilà. Après vous mettez ça dans l'ordre que vous voulez. Voilà. Puis après vous êtes pas obligé d'écouter aussi fort que vous diffusez. Je réfléchis au cas où il resterait encore un truc à dire sur le Elgato, mais je pense vraiment pas. Voilà, moi je peux vous montrer mon setup. Du coup je l'ai remis à moins 4,3, hein, comme vous pouvez voir. En fait tous mes trucs sont baissés de ouf. C'est vraiment à vous de trouver vos gains d'entrée. Moi je vous ai montré là pour faire tous les filtres. Et vraiment penser à faire le truc ça, là, mettre entrée, make in et sortie, Wavelink System, vous verrez que ça vous sauvera
de des fois où vos sons, vous n'arrivez pas à les trouver, vous verrez qu'ils arriveront toujours dans le système. Je crois que j'ai tout dit cette fois-ci. Je vois pas trop ce que j'aurais pu zapper. Ah bah si, évidemment. Tout ça fonctionne avec le Stream Deck. J'ai pas de Stream Deck, donc je vais pas vous montrer. Hein, avec quelque chose que j'ai pas, mais... Mais du coup, ça peut être grave cool. Donc voilà, je pense que je vais laisser la vidéo telle qu'elle, même si le son est dégueu. Comme je vous ai dit, c'était sur une réinstallation de PC, vraiment pour vous montrer... pour vous montrer ce qu'on peut faire, quoi. Voilà. En fait, vous installez votre truc, vous le branchez comme moi. Et si vous faites la même chose, vous allez avoir exactement le même résultat. Je dis pas que c'est le meilleur plan, mais... Au moins, c'est une vidéo de débutant total. Voilà, voilà. Bon, bah, sur ce, moi, je vous dis... à bon courage. Faites attention aux mises à jour Elgato, hein. Ils sont généralement des mises à jour qui vont tout vous péter. N'hésitez pas à passer sur la chaîne si vous êtes en galère Twitch, parce que j'ai beau mettre des liens Discord, les liens j'arrive pas à les mettre en unité, donc au moins si vous venez sur ma chaîne c'était mieux. Et puis voilà, bah, je vous dis bon courage à tous, j'espère que ça vous aura aidé un peu quand même, même si c'est long, chiant, faudrait que je mette des timelines, je sais pas si je sais faire, donc voilà. Bon allez, courage, ça se fait, c'est chiant, mais après on est tranquille. Allez, salut.